Bonjour, nous sommes mardi 15 juin et aujourd'hui nous allons revoir le son wa. Exercice 1. Colorie quand tu entends le son wa. Nous avons ici une illustration, nous sommes à la patinoire et vous allez devoir colorier tous les dessins qui correspondent à des mots dans lesquels on entend le son wa. Donc par exemple, j'ai colorié les poissons, car dans le mot poisson, j'entends le son wa. Exercice 2. Coche les cases des syllabes quand tu entends le son wa. Alors, dans quelle syllabe j'entends le son wa? Dans le mot oiseau, croissant, tiroir. Voilier, poireau. Vous devez cocher la bonne case. Exercice 3. Entoure le groupe de lettres OI, donc le OI qui chante WA, et recopie les mots qui le contiennent. Alors, vous avez ici un petit texte. Ce petit texte correspond à ce qu'on a vu dans l'image de l'exercice 1. Je vous laisse tout d'abord mettre la vidéo sur pause et lire le texte. Nous lisons maintenant le texte ensemble. Le roi de la patinoire regarde la fée. On voit l'étoile de sa baguette magique qui se reflète dans le miroir. L'Esquimau attrape un poisson dans un trou d'eau glacée. Les deux oies ne sont pas maladroites sur la glace. Donc ici, il y a deux consignes. Tout d'abord, vous allez devoir retrouver tous les OI et les entourer à chaque fois que vous les voyez. Donc par exemple, ici, le roi, je vois le groupe OI qui chante WA, donc je l'entoure. Je vous laisse retrouver les autres. Ensuite, deuxième consigne, lorsque vous aurez retrouvé tous les OI, vous allez devoir recopier tous les mots dans lesquels vous avez entouré OI. Hein? Donc par exemple, ici dans le mot WA, j'ai entouré OI, hein, le WA, donc j'écris le mot roi. Je le recopie. Je vous laisse continuer. Exercice 4. Relis les mots qui contiennent la même syllabe. Alors, on vous propose ici une première liste de mots. Je vous laisse lire les mots. Alors, il s'agissait des mots voilette. Alors, une voilette, les enfants, c'est un petit voile transparent en tulle ou en dentelle hein, qu'on accroche au bord des chapeaux des femmes. Chinois, étroite, maladroite et poison. Deuxième liste de mots, je vous laisse lire les mots. Alors, il s'agissait des mots poignée, troisième, droite, voiture et noisette. Alors, dans les mots de la première colonne, on a souligné une syllabe. Hein, ce sont des syllabes où on retrouve le son wa, le voix de voilette, le noix de chinois, le trois de étroite, le droit de maladroite et le poids de poison. Pour chaque mot, regardez bien la syllabe soulignée, car vous allez devoir retrouver un mot de la deuxième colonne dans lequel vous allez retrouver la même syllabe.
Quand vous avez retrouvé ce mot, vous devez, avec votre règle, les relier. Bon courage!